Je m'appelle Luca Burnert et je travaille comme maçon CFC pour une grande entreprise de construction. Dans notre entreprise, toute l'équipe de chantier a l'habitude de se réunir le matin au dépôt. Quand il y a du matériel à transporter, nous le chargeons dans le fourgon et nous nous déplaçons sur le chantier. Nous prenons un dernier café dans la baraque de chantier, puis nous nous mettons au travail. J'aime bien travailler dehors. En fait, j'ai besoin d'être dehors. Impensable pour moi de rester assis toute la journée dans un bureau. Je déprimerais. Fabriquer quelque chose de ses propres mains, utiliser des matériaux pour construire quelque chose qui reste et que d'autres pourront utiliser, c'est quelque chose de très motivant dans notre métier. Bonjour, bonjour Luca, ça va? Super. Il faut qu'on fasse au plus vite les murs dans l'appartement 2. D'abord la façade et puis comme toujours, pièce par pièce. Il ne faut pas oublier les portes. Note bien la largeur des portes. Le matin ou s'il y a quelque chose de particulier, je vois le contremaître. Il me dit ce qu'il a prévu pour aujourd'hui et pour le reste de la semaine. Une fois que j'ai toutes les informations, je travaille de façon autonome sur le chantier. Le contremaître passe de temps en temps et donne parfois un coup de main. Mais finalement, c'est le maçon qui fait le travail avec son équipe. Tout au début, on a besoin d'une ligne droite qui sert de point de départ. On trace et on pique ensuite les axes à l'aide du tachéomètre. C'est à partir de cet axe qu'on mesure les murs, les décrochements et tout le reste. Bien. Ensuite, on peut marquer l'emplacement des murs. Puis on se prépare et on commence la maçonnerie. Pour la maçonnerie, on procède de la façon suivante. On commence par les extrémités, puis on ajuste avec le niveau à bulle les côtés, et ensuite, on tend une ficelle, couche par couche, sur toute la longueur du mur. L'avantage de la brique, c'est sa structure, son concept de fabrication. On peut la réduire à la hache ou au marteau pour obtenir la longueur voulue. Ce que je trouve difficile en maçonnerie, c'est l'apprentissage de tous les gestes techniques. Il faut aussi être capable de disposer parfaitement les briques et avoir l'œil pour les angles. Avec l'expérience, on utilise de moins en moins le niveau à bulle et on y va beaucoup à l'œil et à la truelle. Mais il faut du temps pour en arriver là. Si on décide de devenir maçon, il faut avant tout aimer être dehors. Il faut être habile de ses mains et avoir une bonne représentation spatiale pour les plans. Il est important de pouvoir travailler en équipe car nous utilisons de gros engins et des matériaux lourds. Il y a beaucoup de travaux que l'on ne peut pas faire seul. C'est pour ça qu'il faut bien s'entendre avec ses collègues de manière à ce que le travail avance. En fait, il n'est pas nécessaire d'être tellement costaud. Si on travaille intelligemment, on n'a généralement pas besoin de beaucoup de force. Il faut aussi être ouvert, communicatif et expressif et avoir confiance en soi. Car on passe sa vie sur les chantiers. On vit, on travaille avec beaucoup de gens sur un même espace et il est bon d'avoir le sens de la répartie. Ce qui se bétonne, ce sont les murs et les dalles. Le béton prend la forme qu'on lui donne. Il s'adapte au coffrage dans lequel on le coule. Quand on retire le coffrage, l'élément est fini.
Pour un mur, le coffrage se compose de deux panneaux verticaux et pour une dalle, d'une grande plaque horizontale. Le coffrage des murs en béton et le bétonnage font certainement partie des tâches les plus importantes d'un maçon. Le maçonnage des briques et des briques silico-calcaires aussi. Dans un mur ou une dalle en béton, les fers d'armature forment le squelette qui va soutenir ces éléments. Il s'agit de tiges en acier que l'on assemble et fixe à l'aide d'attaches de fer. L'armature se trouve ensuite coulée dans le béton. Pour une dalle en béton, on a besoin d'un plancher coffré pour donner la forme. On pose ensuite les fers d'armature. Le béton est fourni par des fabricants de béton et livré dans des bétonnières. Le béton est versé directement dans le coffrage par une grue ou à la pompe. À l'aide d'un vibrateur, on élimine tout l'air contenu dans le béton. Ensuite, la surface est travaillée, talochée, afin d'obtenir une surface de travail lisse pour pouvoir dessiner, se déplacer et déposer du matériel. Quand le sol est plat, c'est beaucoup plus agréable. Sur le chantier, être ordonné fait pour moi aussi partie de la sécurité. Si le matériel traîne partout, on risque de trébucher. On porte parfois de gros objets sur les épaules qui empêchent de bien voir où on met les pieds. L'équipement de protection individuelle est essentiel pour la sécurité. Un casque, des chaussures de protection. Et pour certains travaux, des gants, des lunettes et des protections auditives. Il faut se protéger soi-même en priorité. Si on veut évoluer dans ce métier, on peut devenir chef d'équipe et contremaître. Le chef d'équipe travaille dehors, sur le chantier, avec les ouvriers. Le contremaître se charge de toute l'organisation. Mon objectif est de devenir un jour contremaître. Par ici. À la fin d'une journée stressante, où l'on a par exemple bétonné une dalle, je trouve toujours agréable de se placer devant le chantier et de voir ce qu'on a réalisé en équipe ce jour-là. Je suis alors fier de mon travail. C'est gratifiant de voir ce qu'on a pu construire de ses propres mains. Pour moi, c'est ce qui fait la beauté de ce métier. Et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi.